tableau de bivouac. Furieux de la double étape, les soldats n'ont pas le cœur gai. On a donné plus d'une tape au petit tambour fatigué. Mais, quand il a taillé la soupe, coupé le bois et fait du feu, on laisse enfin l'enfant de troupe se coucher et dormir un peu. Les vétérans sont là, farouches, à ce bivouac qu'on voit briller. Et ne sacrant plus de cartouches, l'enfant s'est fait énarrer. Le sac est si gonflé qu'il crève, la poudre à terre se répand, mais l'orphelin sommeille et rêve, trois pas du foyer flambant. Rien qu'une étincelle, une seule, tout est dit, cela fait frémir. Comme une vigilante aïeule, la mort le regarde dormir. Mais non, lorsque par les espaces, l'hirondelle fuyant l'hiver, repose un peu ses ailes lasses sur l'onde en courroux de la mer, la lame énorme dont la chute pourrait écraser un vaisseau offre un repos d'une minute à la fatigue de l'oiseau.